l'Association pour la promotion et l'appui au développement des micro-entreprises PADME a procédé samedi 6 avril 2019 à l'Assemblée générale du personnel édition 2019. Cette assemblée, dont les activités ont démarré le vendredi 5 avril 2019 par une marche d'ensemble dite Marche du cœur, est un moment de réflexion et de communion entre le personnel de l'institution. La plénière du samedi 6 avril 2019, tenue au Palais de la Gratitude d'Abomey-Calavi, a été marquée par la présentation des réalisations pour le compte de l'exercice 2018, l'étude des projections validées par le comité de suivi de l'administration provisoire de PADME depuis le 31 décembre 2018 pour le compte de l'exercice 2019. Cette séance plénière qui réunit ce samedi 6 avril 2019 tout le personnel dans son ensemble est consacrée à la présentation des réalisations de l'exercice 2018 et au passage en revue des perspectives de l'exercice 2019. Je voudrais nous inviter à une écoute attentive et souhaiter vivement que cette assise soit pour chaque agent un instant de renouvellement du pacte d'engagement à servir loyalement l'institution avec rigueur, probité et professionnalisme, gage de résultats meilleurs pour le compte de cet exercice en cours. Aussi est-il revenu sur les conclusions de la plénière. Au vu des réalisations de l'année écoulée et des projections qui sont établies et faites, les agents ont pris l'engagement d'accompagner la direction générale à l'atteinte de ces projections. Dans son allocution d'ouverture, M. Rafiou Abdou Bello, président du comité de suivi de l'administration provisoire, conseiller technique à l'économie du ministre de l'économie et des finances, a félicité l'administrateur provisoire pour les résultats obtenus. C'est le lieu pour moi de vous réitérer mes félicitations pour les résultats obtenus et qui se traduisent par une consolidation des bénéfices de l'institution. Ce n'est pas évident pour une institution, je dirais, normale, qui traverse une crise de gouvernance, de continuer, malgré toutes ces années, à garder le cap. Je pense que les différents intervenants l'ont dit, de continuer à produire du résultat. Je voudrais vous rassurer. Pour assurer sur le fait que les autorités sont engagées à normaliser la situation. Donc, si tout va bien, si la situation demeure calme, si le personnel continue de manifester son engagement, je pense que d'ici là, nous allons voir le bout du processus de transformation institutionnelle. Présent à cette assemblée générale, l'administrateur directeur général d'Ecobank Bénin, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin et partenaire financier de taille de l'institution PADME, Lazare Komi Noulekou, reconnaît la bravoure de PADME et expose les raisons de son soutien à l'institution. Derrière cette assistance qu'on vous a donnée, nous avons notre stratégie, notre vision. Peut-être que vous ne savez pas. Si on laissait tomber PADME, vous pensez que c'est les banques européennes qui vont venir vous soutenir? Les gens parlent d'indépendance, d'indépendance. C'est ça l'indépendance. Aujourd'hui, il s'agit d'aller vers un pacte d'engagement. Et qui parle d'engagement, parle de performance. Et j'ai compris aussi que vous maintenez votre rang de deuxième sur la place. Et si vous l'avez maintenu, c'est grâce à vous. Pour Emmanuel Gaou, président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, deux grandes raisons expliquent sa présence à cette assemblée générale. La première, c'est qu'il s'agit
d'une rencontre organisée par l'une des plus grandes institutions de l'association professionnelle dont j'assure la présidence. La seconde, c'est le caractère particulier de la rencontre. Il s'agit d'un compte rendu à faire par l'exécutif à l'exécutif. Comme lui, Louis Biao, directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, a félicité le personnel de PADME pour sa bravoure et l'invite à garder le cap. Je dirais que c'est une bravoure à nul pareil. Je compare désormais le PADME comme le réseau qui plie et qui ne rompt pas. Et cela, c'est de notre la régularité de la tenue des actes du personnel, la régularité dans la transmission du reporting aux autorités de contrôle, la régularité au niveau des performances. Et du coup, je ne peux que vous féliciter. Mon deuxième message, c'est de vous dire qu'il faut garder le cap. C'était également l'occasion pour la remise de lettres de mission au chef service crédit, au coordonnateur de l'épargne et au responsable de la cellule de recouvrement par le directeur général. Ces derniers, à leur tour, ont remis aux 5 chefs d'agence que compte l'institution leurs lettres de mission. À l'issue de l'Assemblée générale, la présidente du sous-comité logistique chargée de l'organisation de l'Assemblée générale a, quant à elle, exprimé sa totale satisfaction. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas tenu une Assemblée générale du personnel. Donc, ça donne un baume au cœur de se retrouver, de reprendre avec les habitudes que nous avons. On revoit là où nous avons bien travaillé, là où nous n'avons pas très bien travaillé. On prend des initiatives, on se fixe des objectifs. On voit comment est-ce qu'on peut mieux redorer notre blason. Je pense que cette activité, c'est une activité vraiment capitale pour l'institution et qu'il faut la perpétrer. PADME, c'est une institution qui va rester après nous. Et après nous, je voudrais que ça continue par prospérer. Faut-il le rappeler, depuis sa création le 1er septembre 1993, suivi du démarrage de ses activités en 1994, puis de son transfert en septembre 1999 à l'association du même nom, dont la création remonte à décembre 1997, l'association PADME embrase tous les secteurs d'activité clés de l'économie béninoise, allant de l'agriculture au commerce, en passant par l'artisanat, l'élevage, la petite transformation, les services transport, restauration et communication, auxquels elle apporte des concours financiers en termes de financement des micro, petites et moyennes entreprises.